le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, qui a dévisé avec Lucie Milebou Obusson, épouse Mboussou, la nouvelle présidente du Sénat, en toile de fond, les questions liées au développement et à la décentralisation. Bienvenue Miko Hervé Mangumba. Premier pas à la tête du Sénat et première visite au chef de l'État. En sa qualité de présidente nouvellement élue, la vénérable Lucie Milebou est venue remercier le président de la République pour son adhésion au choix des parlementaires du Sénat. Je suis venue remercier le président de la République et lui dire combien j'ai été honorée, la femme gabonaise en général, et lui exprimer ma profonde gratitude. Le président de la République, en m'accordant sa confiance, a affirmé sa volonté de faire accéder la femme gabonaise à des postes de responsabilité. Pour les 6 prochaines années de son mandat, l'élu de Tamba Magoti fait de la décentralisation son principal challenge. Le président voudrait que ce soit plus une vue d'esprit, mais que la décentralisation prenne effectivement corps pour qu'on évite l'exode rural et qu'on puisse développer nos provinces. Du 10 mars 1997 à ce jour, 10 mars 2015, le Sénat poursuit son œuvre de consolidation. L'institution au Gabon devrait apporter un souffle nouveau au processus économique et social du pays avec la mise en œuvre de la décentralisation.